Pouf pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau motovlog. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de bécane. D'ailleurs vous le verrez au niveau des motovlogs, j'ai pas été hyper sérieux pour plusieurs raisons. Il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud, j'avais d'autres choses à faire, etc. Et moi j'ai une voiture à côté, donc la moto c'est vraiment plaisir. Voilà, quand je sors la moto c'est pour faire de la moto en fait, je prends pas la moto pour aller chercher du pain ou autre. Donc du coup j'ai pas eu trop l'occasion de faire de bécane depuis la dernière fois. Donc écoutez, j'espère que depuis ça vous a fait kiffer. Et oui, pour ceux qui se disent, qui se demandent pourquoi au niveau des motovlogs, les motovlogs ne sont pas en rapport avec ce qui se passe au niveau de l'actualité. C'est parce que les motovlogs, je dois les monter. Après, je dois les upload. Et des fois, je mets un peu de temps à faire le montage. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez eu le motovlog sur la Coupe du Monde 2 semaines après. C'est normal. C'est parce qu'entre-temps, j'étais en SPA. Entre-temps, j'ai eu différents projets qui se sont faits. Et du coup, bah forcément, la vidéo pour la Coupe du Monde, vous l'avez eu méga tard. Donc du coup voilà. Donc faut pas forcément retenir ce que je vous dis, mais cette vidéo là sera d'actualité. Donc la balade, là on va être en août dans pas longtemps. Là quand je tourne cette vidéo, on est fin juillet. Et du coup on va bientôt se faire notre petite balade, mesdames et messieurs. Et concernant cette petite balade, ce que je vous propose, c'est de me rejoindre sur Discord, mesdames et messieurs. Voilà. Rejoignez-moi sur Discord, ce sera 20 000 fois mieux pour notre petite balade. Parce que pour information, je vous mettrai un screen, je pense. Sur Discord, j'ai fait une conve spéciale moto. Et du coup, c'est sur cette conve que je vous indiquerai un petit peu où on peut se croiser, où on peut se voir, etc. Donc voilà, pour ceux qui veulent... Bah vous savez où venir. Vous savez où venir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui... Putain, il y a du vent. Aujourd'hui, il faut que j'aille acheter de la graisse pour ma chaîne. Ça peut être toujours sympa. On va voir si le magasin de moto est ouvert. Et du coup, concernant la balade, pour ceux qui sont chauds, je vous propose qu'on se retrouve dans le 62 et je vous donnerai bien évidemment toutes les infos sur Discord, etc. comme d'habitude, parce qu'en fait je peux pas vous faire une vidéo pour vous dire rendez-vous le 15 à 10h, sachant que je sais jamais trop ce que je vais faire. Et puis bon, on va dire, vous êtes aussi comme moi. Peut-être que si on se donne rendez-vous samedi, vous serez dispo. Mais en fait, peut-être que vous ne serez pas dispo samedi. Donc du coup, l'idée, c'est on va plutôt se faire un truc entre nous tranquillou. Donc ce que je vous propose, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'on va tourner un petit peu, on va aller là-bas. Ce que je vous propose, pour ceux que ça intéresse, mesdames et messieurs, c'est de me rejoindre sur Discord. Comme ça, sur Discord, je pourrais vous mettre un message pour vous dire ouais, je sors la bécane cet après-midi à 15h par exemple. Parce que je compte pas, en fait ça sert à rien de prévoir une rencontre sur 3 semaines. Vous voyez, c'est soit c'est dispo, soit c'est pas dispo. Et du coup, je pense que je mettrai un message sur Discord et je vous dirai yop 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 les petits loups. Si ça vous branche, cet après-midi 15h, on peut se retrouver là-bas. Et je pense que ce sera 20 000 fois plus intéressant. Donc c'est pour ça, rejoignez-moi sur Discord, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. C'est vraiment un petit logiciel qui est super sympa sur PC et que vous pouvez l'avoir sur téléphone. Et moi, c'est un logiciel que j'utilise un petit peu comme si c'était mon téléphone portable. Enfin, comme si c'était mon numéro de téléphone. Parce qu'en fait, j'ai Discord sur mon téléphone et sur mon PC. Et du coup, je peux vous envoyer des messages depuis mon téléphone. Donc par exemple, on peut se dire... par exemple, je sais pas, moi, la semaine prochaine, je vous dis, ouais, bah pour info, mercredi, je vais faire de la bécane. Et ben, pour peu que mercredi, vous soyez dispo, vous êtes sur Discord, vous voyez mon message où je vous dis mercredi, qui c'est qui tourne, puis vous m'envoyez un message et vous me dites, bah écoute, moi, je suis dispo, si tu veux, on peut se voir, etc. Et puis, du coup, on se balade, voilà. Ce sera aux alentours de Béthune, Neulémine, Liévin, Bully-les-Mines,
qu'est-ce qu'il y a d'autre, Lens, voilà un petit peu les endroits où je tourne. Voilà un petit peu les endroits où je tourne. Tout ce qui est côté de Lille, ça fait vraiment trop loin. Enfin, ça fait trop loin, on va dire. Pour un rendez-vous, ça fait loin. Et peut-être l'Équin, sinon, où ça ferait un juste milieu. Normalement, je dois aller à l'Équin dans pas longtemps. Donc, à voir si parmi vous, il y a des gars qui sont dispo. Ou des filles, hein, peu importe. Tout le monde peut venir, bien évidemment. Et l'idée, du coup, ce serait, pourquoi pas, quand je veux aller à l'Équin, qu'on y aille ensemble. Et l'Équin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le 59. Et c'est tout simplement... un genre de village moto, en fait, si vous voulez. C'est une zone commerciale où il y a plein de concessionnaires bécanes. Et du coup, bah, ça c'est stylé, quoi. Voilà, donc juste pour vous informer de cela. Et du coup, bon, bah, les motovlogs, vous les avez vus, parce que quand cette vidéo sortira, normalement les autres motovlogs seront sortis. Et du coup, comme d'habitude, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, vidéo qui a été très très courte, mais c'était vraiment pour vous informer de ça, parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais vous êtes quelques-uns à venir, mais pas tout le monde, je pense. Donc, pour ceux qui veulent qu'on se fasse une petite balade, mesdames et messieurs, Discord. Comme ça, on peut parler entre nous, on peut se montrer nos bécanes, faire un peu connaissance avant. Ça peut toujours être sympathique, vous savez, histoire qu'on se connaisse vite fait un petit peu. Et du coup, après qu'on se voit, avec un petit peu de chance, vous rencontrerez peut-être des motards qui sont genre à côté de chez vous. Ou peut-être que vous avez un de vos voisins qui fait de la bécane, vous ne le saviez pas. Puis sur Discord, boum, tu te rends compte qu'en fait, c'est bon. Donc voilà, donc Discord, c'est le truc à retenir. Je mettrai le lien en description, bien évidemment. Et du coup, avec le lien Discord, vous trouverez au pire au montage, je vous mettrai une petite image où je vous dirai où venir. Mais le channel s'appelle Moto 5962. Alors même si vous êtes de toute la France, bah, vous pouvez quand même venir. Mais l'idée, c'est pour qu'on puisse se rencontrer, c'est un poil plus simple, quoi. Après, je vais pas commencer à faire un Discord pour tous les départements du monde, on n'a pas fini. Mais voilà, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à passer, si vous êtes motard, à venir nous montrer votre moto sur Discord. Et pour ceux qui veulent qu'on se promène ensemble, allez faire un petit tour, etc. Ou je sais pas, pour peu qu'il y ait des soldes dans pas longtemps, aller faire des soldes et tout. Il y a grave moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà, donc nous on cesse là-dessus. J'espère que ça vous a plu, moi je vais aller acheter ma graisse. Comme vous avez vu, j'ai fait un détour exprès pour vous, je sais. Je suis quelqu'un de bon et de généreux. Donc nous on va aller acheter la petite graisse pour ma chaîne. Et nous nous retrouvâmes. Vous avez vu, c'est très... c'est très le français. Et nous nous retrouvâmes, mesdames et messieurs. Je pense incessamment sous peu, parce qu'en plus il fait vraiment super beau, donc c'est très agréable. Et j'ai l'idée d'acheter un suite moto. Donc la question, c'était ça aussi. Est-ce que parmi vous, il y a des motards qui ont un suite? Donc là, je suis en cuir. C'est très agréable, c'est très chaud, c'est très la chaleur. Et rouler en t-shirt, ça me botte pas trop. Et en fait, j'ai découvert que Alpine Star faisait un suite spécial moto avec les... je vous le montrerai aussi au montage, parce que les motovlogs, je dois les monter vu que je les filme sur GoPro. Donc je vous le mettrai au montage, je pense. Et en fait, c'est Alpine Star qui fait ça. Ils ont... il y a mariage. C'est Alpine Star qui fait ça. En fait, ils ont fait un suite, donc comme un suite que vous pouvez imaginer. Sauf que ce serait un suite moto, mais pour rouler, vous voyez, pas pour squatter à la maison, pour vraiment aller se balader. Donc je ne connais pas du tout, et ça coûte un peu moins de 200 €. Donc la question, c'était, parmi vous, est-ce que certains ont déjà acheté le fameux suite Alpine Star? Et qu'est-ce que ça donne, genre niveau qualité, etc. C'est bien, c'est pas bien, c'est cool, c'est pas cool, il y a mieux, il y a pas mieux, enfin voilà, les petits retours. Est-ce que vous pensez que ça protège quand même un petit peu? Alors après, je sais que ça protégera moins qu'un cuir, mais moi je veux vraiment, je voudrais quelque chose d'un peu moins lourd, vous voyez, genre... Enfin, je vais pas dire que le cuir c'est chiant à mettre, mais on va dire, je me vois pas faire mes courses en cuir, en fait. Bon, ça a de la gueule, hein, c'est très joli et tout, mais je me vois pas trop claquer le cuir pour aller acheter une baguette de pain. Fait chier, quoi. Voilà, donc la question, c'était ça, le petit suite. Bon, écoutez, vous avez deux choses à faire, du coup. Rejoindre le Discord pour ceux qui veulent. Sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans quelle région vous êtes. Qui sait ? Peut-être que vous aurez un voisin en commentaire.
Et pour ceux qui sont du 59-62, pensez à rejoindre le Discord. Tout le monde peut rejoindre le Discord, hein. C'est un Discord communautaire pour mes chaînes YouTube. Mais pour annoncer les promenades, je les ferai sur Discord, c'est plus simple. Parce qu'au début, je voulais faire un délire de vidéo, vous savez, en vous disant « Ouais, alors le 14 à 14h sur ce parking, on se rencontre. » Mais moi, ça va me saouler de faire ça. Enfin, voilà, genre j'ai envie d'aller me promener cet après-midi. Vous êtes dispo, on va se promener. Ce sera plus simple, en fait, on va dire. Ce sera plus sympa, vous voyez. Bon, c'est statut, c'était un super. Abonnez-vous. Bisous, chouchou. Et ouais, j'ai fait un petit tour, mais bon, voilà, c'est gentil. Je fais un petit détour. Bon, allez, abonnez-vous. Et puis, nous, on va aller au garage. On va aller chercher un peu de graisse. Car j'ai donc acheté cette bécane, il n'y a pas longtemps. Mais je n'avais pas fait de bécane depuis plus d'un an et je n'ai plus rien. Je n'ai plus de béquille d'atelier. J'ai plus de graisse. J'ai plus rien. Voilà. Donc il faut que j'aille acheter un petit peu tout ça. Et l'idée, c'est je me suis dit, on va aller racheter de l'hippone. Alors après, je sais que certains, pour certains, hippone, c'est pas foufou. Mais moi, il y a pas mal de gars qui m'ont dit que hippone, c'était. Hippone, c'était une valeur sûre en fait. Comme quoi, c'était bien et ça marchait bien. Donc, du coup, je pense que je vais peut-être acheter de l'hippone. Mais après, si jamais vous avez d'autres marques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je checkerai pour la prochaine. Mais vu que c'est important de graisser sa chaîne, je sais pas ce qui se passe. Vu que c'est important de graisser sa chaîne, je me suis dit que ça pouvait être cool d'aller en acheter aujourd'hui, vu que j'ai déjà fait quasiment 400 bornes et j'ai toujours pas graissé ma chaîne. Normalement, le graissage, je crois que c'est tous les 500 ou tous les 1000, tout dépend de la conduite et s'il y a de la pluie ou autre. Enfin, après, si vous faites du cross, c'est un peu plus. Mais en gros, comme moi, je fais surtout du bitume, je me suis dit que vu que j'approche des 500 bornes, ça pouvait peut-être être sympathique d'aller acheter de la graisse. Bon, allez, on cesse là-dessus. Rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. Oui, c'est la même route qu'au début, les gars. Non, mais c'est normal. C'est exactement la même route qu'au début. J'ai fait un petit tour, écoutez. Voilà, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir. Bon, allez, il fait beau, il fait chaud. Rendez-vous au prochain épisode.